La République avait porté la cagnotte du fonds d'aide à la culture à la somme de 5 milliards de nos francs et apporte maintenant un soutien à l'organisation de cette exposition vente qui est aussi le lancement
de la création de projet de l'institut, de création d'un institut privé, l'Institut Baïkov, un institut privé des beaux-arts. En faisant tout cela, je trouve que le président de la République est un homme de vision. Lorsqu'en 1991, après et en exécution des décisions de l'historique conférence des forces vives de la nation, votre serviteur que je suis, qui était en ce moment directeur de cabinet du ministre de la Culture, lorsque je défendais le projet de politique et de charte culturelle devant le Haut Conseil plutôt donc de la République dirigé par Son Excellence Monseigneur de Souza, je ne pensais pas que je trouverais sur mon chemin un homme de vision tel que le président de la République que nous avons aujourd'hui. Eh bien, en prenant l'initiative de soutenir cette exposition, je pense qu'il m'apparaît comme l'homme que le monde culturel du Bénin attendait. Vivement que ceux qui vont prendre sa succession poursuivent justement cette vision. Monsieur le ministre, cette exposition vente est faite d'abord pour les ministères et les institutions de la République parce que c'est eux qui doivent accompagner cette vision du président de la République en application justement de l'esprit et de la lettre, de la charte et de la politique culturelle qui avait stipulé que aux articles 28 et 50 de la charte, que, je cite, le budget de tout édifice et espace public comprenne une part réservée à la décoration artistique. Fin de citation. Et si mes souvenirs sont bons, la charte a poussé la précision jusqu'à dire que ce budget devrait être de 1% du budget général de tout projet de construction. La promotion artistique et culturelle contribue, disait l'article 50, contribue au même titre que les autres secteurs du développement à la création de la richesse nationale et requiert à cet égard une attention particulière que les investissements significatifs de la part des pouvoirs publics et des opérateurs économiques. Fin de citation. Voilà pourquoi je disais tantôt que cette exposition vente est d'abord faite pour les institutions publiques de la République, car elle leur permet de dégager a posteriori, après 25 ans de retard dans l'application de cette décision, un petit budget pour l'acquisition des œuvres de Gao Kofi à leur profit, dans leurs espaces actuels ou dans les espaces qu'ils veulent décorer par la suite. Donc, ils peuvent faire aussi une commande personnalisée à Kofi Gao pour justement appliquer l'article 28 et l'article 50 de la Charte culturelle du Bénin. S'ils viennent, et comme vous allez le voir vous aussi, Monsieur le ministre, ils verront dans cette exposition des tapisseries de toiles appliquées directement inspirées de l'art traditionnel du patchwork d'intenture de tissus appliqués d'Abomé. Ils trouveront des tableaux textiles, eux aussi, inspirés de l'art traditionnel des tissus teints connus de toute l'Afrique de l'Ouest. Ils trouveront aussi des sculptures design qui, en même temps qu'elles nous introduisent dans l'artisanat de la matière vivante des bois sacrés, nous font accoster aux rives des rêves inspirés par la modernité. Il y en a pour tous les usages et tous les goûts. Ils trouveront aussi des mobiliers traditionnels qui, en même temps qu'ils harmonisent leur espace de vie, créent pour eux comme antidote à l'agressivité de la modernité et de la mondialisation envahissante, des espaces de ressourcement ou de refuge dans l'illusion rassurante de la diversité culturelle. Enfin, ils trouveront les portes-sculptures qui
avant de s'ouvrir et de se refermer sur leur secret d'alcôve, ouvriront d'abord leurs esprits aux mondes imaginaires de la décoration qu'ils offrent au plaisir des sens. Et tout cela, nous le devons au génie touche-à-tout d'un homme qui, après avoir prêté son corps aux espaces restreints des scènes de théâtre, a effectué pour nous et avant nous, par le corps et par l'esprit, ses voyages dans les grands espaces de l'inspiration qui préparent au grand destin. C'est pourquoi, monsieur le ministre représentant le président de la République, honorables invités, mesdames et messieurs, les artistes fous, presque visionnaires, comme monsieur Kofi Gaou et son futur institut Baïkov, méritent et attendent votre soutien. Aujourd'hui, par l'acquisition des créations de cette exposition vente, demain, par les commandes que vous passerez dans le cadre de l'application des articles 28 et 50 de la Charte culturelle du Bénin, et après-demain, par l'appui à d'autres initiatives privées comme celle-ci. Car, mesdames et messieurs, ils sont nombreux ces artistes de l'ombre qui, comme Kofi Gaou, pensent à la transmission de leur savoir-faire et de notre patrimoine culturel à la jeune génération, à la fois pour la sauvegarde et la promotion de notre identité culturelle que pour la promotion de l'auto-emploi des jeunes dans le secteur culturel. Monsieur le ministre, ou les représentants des ministères qui sont là, honorables invités, l'exposition des œuvres de Kofi Gaou vous appelle aujourd'hui à faire œuvre utile. En ne laissant rien repartir dans les ateliers de Kofi Gaou, car vous devez prendre tout ce qui est exposé ici pour qu'il n'ait pas à retransporter ses œuvres dans ses ateliers. Et tout cela pour permettre au futur atelier Baïkov de mettre sur le marché du travail des jeunes formés pour continuer et animer votre environnement de ces créations qui vous enracinent dans le terroir et vous offrent le plaisir de vous sentir heureux chez vous. C'est sur cette perspective de bonheur partagé que je vous souhaite de passer d'agréables moments avec les créations de Kofi Gaou. Je vous remercie. Donc, monsieur le ministre, merci beaucoup. Si vous le permettez, est-ce que Kofi Gaou est là? Je voudrais lui laisser la parole pour qu'il dise un mot à monsieur le ministre avant qu'on ne l'introduise dans l'exposition des œuvres. Amo oye nde nu bayi lo jiwe na mi bo e juro mi bo mele no aro bete gba kan be ato alo na jona mele ya na jona alo na me e ma sin ku ni parce que mere mon son so mi nu mo gali kwe ti bo mo kuri kuri kwe nu tun to ran bo no do kho no mi mo kho lo me bo no do wa so ba si sa lo ron tun ndo ma ga pon aso me lo mere mon son so mi wo na fodun wa ta na mi e wa no jakun me to nu mi din ma jo fodun lo na mi na hun we kho me we bo file na yi we we a foton ko mo bo breke de nyun lo ba yi meme me he ti sen we no de me ya tin so no wa me he mu we no sada togo na yo yi be na ja si sai to na file pere 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 de ma na yi do yin hun pa yin to me ma do en ni mo tin ta lo ira no fini bo yeme afoton lo de yeme afoton lo ira yi de yi na ro me aton ehile mi le mi no fi bo kuzu me si be na nu kun lo me ira nu kun lo me bo me de se to no yeme aton le me
na ton yi ba ina bio ina wa ya bome awetolo de bi abome awetolo ile na to fine bo promotion awetolo na wa de promotion awetolo wa na pon yi mekaka me parce bokoron o 5 years na le mo sumo amo bo na so tan awetolo be na ba ya ton ka be kiroko bo na yi pon na yi pon o vite ara jo alo na bo so e ma na flu yi e ma na du su na fodun to na de ne se me bo so ado abo atongolo me bo na pin pin kaka ejuro ma o kaka ko nenu o ma ma jan o no vie ton ma o si no vide e ma na pla mi tin eh amon tu na pla mi na o jo asisa lo na yi nu mi bi o kholo me depo mi na mo do français gbe e ma duro mi ko jaidi thank you monsieur le ministre je vous assure c'est un monde. Nous, notre monde, c'est un monde. Nous, notre monde, c'est un autre monde. Et vous avez la chance de venir dans ce monde. Le jour où vous allez le quitter, vous aurez de la peine. Vous serez chez vous, mais vous reviendrez dedans, sans le savoir. Parce que c'est un monde fétiche. Ne regardez pas les gens. Non, c'est un monde, quoi. C'est un monde. Donc, moi, je vous félicite, je vous remercie. Oh, moi, je n'aime pas féliciter. Je ne le félicite pas pour le plaisir de le féliciter devant vous. Mais je vais dire un petit mot. C'est un combat que j'ai commencé depuis 3 ans. Et j'ai demandé 7 audiences au ministre Partant. Il ne m'a jamais reçu pour ce projet. Et un jour, bon, il est parti. Mais ce ministre, ce monsieur Paul Hunkwe, le premier jour, j'ai tapé à sa porte à titre personnel. Je lui ai parlé de ce projet. Il m'a reçu. Et j'ai dit, monsieur le ministre, c'est péniblement même que je suis venu vous voir ici. Et il a pris mon dossier, il dit, ouais, le TRFM. Viens avec le dossier de Kofi Gao. Et il a lu, il est allé signer sur sa table. Il dit, suis ton dossier, toi-même. J'ai dit, c'est ça? Il dit, oui. Et puis, en partant, il m'a remis quelques billets pour prendre le taxi. Maman con. Donc, vous voyez, c'est une manière. S'il avait peut-être le milliard à me donner pour aller faire mon institut, il m'aurait donné. Je n'ai pas demandé. Vous voyez, être homme, c'est différent. Être politicien, c'est différent. Être technicien, c'est différent. Mais quand vous êtes homme, vous avez un billet à quoi? Et quand même, il y a un billet. Il y a un donat, oui. Merci. Quoi tu fous? Merci. Bon, oui, un mot, oui, avant de... Oui. Bon, ou si vous voulez, vous pouvez aussi attendre. L'honneur me revient de procéder au lancement de cette exposition au nom du chef de l'État, Dr Boni Yayi, et qui véritablement aurait souhaité être là, personnellement, compte tenu de son attachement à la chose culturelle et surtout son admiration pour l'artiste. C'est un grand homme. C'est un artiste complet. Moi, je l'ai connu sur les scènes, mais aujourd'hui, il nous montre une autre facette de ses talents. Je voudrais d'abord, au nom du chef de l'État, vous féliciter pour tout ce que vous faites. C'est l'identité béninoise qui est défendue ici, démontrée à la face du monde. Au nom de la République, nous vous décernons cette satisfaction et nous vous disons de continuer et d'aller au bout de vos idées, surtout qu'elles rejoignent les nôtres, rejoignent la préoccupation majeure du chef de l'État de mettre l'accent sur le perfectionnement. C'est assez important que dans un univers concurrentiel, il faut que nos jeunes prennent le courage et la patience d'apprendre et de connaître véritablement ce à quoi ils veulent s'adonner, surtout quand c'est culturel. Je crois que c'est extrêmement important que aujourd'hui tout le monde se rue sur les fonds qui sont mis à disposition. Mais ce n'est toujours pas la qualité. Et c'est là où nous implorons
vraiment l'indulgence des anciens pour véritablement procéder à cette transmission. Mais je lis à travers votre intervention une petite méfiance. Et oui, cela tient du fait que véritablement nous avons besoin de protéger ces œuvres. Hein? La propriété intellectuelle, la protection, n'est-ce pas, de notre patrimoine reste un élément majeur pour que, même si vous êtes fatigué, même si vous dites que vous allez quitter un jour, qu'il n'y ait pas de trahison, ce que vous venez de dire. Donc, en transmettant, et vous transmettez tout en assurant la protection donc, de vos œuvres, et comme ça, vous n'allez pas dire à terme que vous avez été... Donc, transmettez. Ayez le courage de transmettre et d'oublier, puisque tout sera protégé à travers donc, les tests et toutes les dispositions que nous sommes en train de prendre. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir tout ce que vous avez vraiment compilé pour nous. Oui. Et j'exhorte le public béninois et tous ceux qui sont de passage à Cotonou d'aller voir ce qui est exposé ici et que, effectivement, que les édifices publics ne soient pas des édifices muets qui n'attirent pas. Il faudrait vraiment que nous ayons des œuvres à tous les coins de notre administration pour véritablement transmettre ce message-là et que les artistes font passer à travers leurs œuvres. En tout cas, le gouvernement du docteur Boni Yayi soutient entièrement cette exposition et nous sommes disposés à apporter tout ce qu'il faut pour que, effectivement, tous les œuvres soient parties et que nous puissions vous voir, vous lire tout le temps. Vous êtes immortel à travers ces œuvres. Merci. Et félicitations, la République vous accompagne. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous allons donc, je vais demander à Kofi donc de se mettre devant. De se mettre devant. Si vous faites attention, son visage est indifférent. Il est indifférent, ça veut dire qu'il est juste. Il traite tout le monde de la même manière. Fièrement. Parce que si vous êtes propriétaire des lieux, c'est comme au palais des congrès ici, et que vous distinguez non, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Tout le monde est client. Donc tous ceux qui sont venus ici, elle vous dit, soyez bienvenus, fièrement. Si on doit tout expliquer, on en finit. On va parler pendant un an. Pendant un an, deux ans. Moi, je peux écrire, on peut écrire des encyclopédies. Donc, je vais vous inviter à circuler. Circuler. Pendant que vous circulez, moi, je vais accompagner le ministre vers un autre fétiche qui est au bout là-bas et qui attend. Et cette œuvre, elle est destinée au président de la République. Là, je vais la décrypter, je vais la décliner, je vais vous la présenter et nous allons voir ce que ça représente pour notre République. Parce que là-bas, il y a du fétiche, il y a des incantations, voyez-vous? Donc, et quand on va finir là-bas, monsieur le ministre, représentant du chef de l'État, le docteur Boni Yayi, comme je l'ai baptisé, l'homme du quintuple milliard culturel. Moi, je ne félicite jamais gratuitement. Si je vous félicite pour quelque chose, on vous félicitera toute votre vie pour ça. Moi, je ne fais pas cadeau. Vous voyez, moi, je suis dedans, ça fait 44 ans. Nous avons fait des choses, nous avons écrit des choses, nous avons dit des choses. Le milliard culturel, c'est dans la blague que c'est arrivé et à travers le collectif des associations d'artistes, Chenel Oliver, pendant la transition.
Mais tes amis sont morts. Dieu les a rappelés. Mais moi, je suis encore là. Et on a vu le milliard. On a vu le 1 milliard et demi. On a vu 3 milliards. Et on est passé à 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre magique, c'est le chiffre de Dieu. Si vous avez, vous perdez un doigt, il ne reste que 4. Vous allez voir ce que l'autre doigt qui était là faisait. Donc 5, pour moi, c'est extraordinaire. 5, c'est peut-être. Voilà. Donc, on va circuler. Vous traversez. Nous allons arriver à l'autre bout. Et nous irons au cocktail. Bon, maintenant, qu'on s'y connaît. Avec ça, pendant ce temps, maintenant que le sien est en train de coyaïn, vous allez revenir dedans avec votre peau de chapal. Bienvenue pour tous. Kouabo, Miyawison, Ekabo. Alors, moi, souvent, les paroles des blancs, là, ça m'énerve. Et nous sommes des barbares. Ils n'ont pas d'écriture, ils n'ont pas de jeunes, ils n'ont pas de livres. Et quand je suis allé faire mes études d'art dramatique à Paris, je suis allé au musée de l'homme. Et à la CCT, j'ai découvert, ils faisaient quelque chose des gens d'almanach là. Et j'ai découvert une partie qui avait présenté l'écriture traditionnelle africaine avant la colonisation. J'ai approfondi les recherches dans la bibliothèque du musée de l'Europe. Et je suis tombé sur l'écriture africaine. Alors, ici, pour dire, soyez les bienvenus. Au Bénin, il y a au moins 18 langues qu'on parle à l'OITB. Alors, je prends ça. Je crois que c'est le référentiel. Oui. Donc, je suis allé voir les animateurs des langues nationales à la radio. Et je dis, comment on dit bienvenue? Chacun le dit, il écrit. Donc, et j'ai fait un tableau là, qui présente les 18, voilà le tableau là. Et ici, j'ai pris l'écriture, et pour pouvoir montrer que c'est ça, où est-ce? En Mina. Où est-ce? Où est-ce? Où est-ce? Où est-ce? L'écrit? C'est ça l'écrit. Où est-ce? Sanu Dazua, c'est Aoussa, c'est ça. Sanu Dazua. Nyonde, c'est Kotokoli, c'est ça ici. Ainsi de suite, jusqu'en bas. Donc, entre-temps, j'ai conçu ce jour. J'ai fait Ouijo et Fien. Le moment venu, je ne sais pas quel nous a piqué Dieu et nous. Ici, c'est un collier en bois. C'est un collier en bois. Donc, on peut le mettre au lieu et lui donner comme on veut. Soit c'est tombant, soit c'est séculaire. Ah, la vie qui pousse. Vous voyez. La vie qui pousse. Quand vous prenez les créations de Dieu, vous devinez Dieu. Je ne sais pas, il y en a. Du Mao, du Pérouto. La forme qui donne la vie, le vrai Dieu, c'est le créateur du ministère de la vie. L'unique détenteur du ministère de la vie, quand la personne de l'homme le pousse, ovoïde, la vie qui pousse. C'est par hasard qu'il y a le gori. Le gori, non, pas du tout. Pas du tout. C'est... Non. Elle a un courrier à quoi? Elle dit, vous connaissez son nom? À quoi? Jermessi. Ah non, Jermessi. Moi, dans Samara, j'ai un acteur. D'Afogan Manus. Si nous travaillons, mais quand lui il a faim, il s'arrête du doyen. Madame, Jermessi, voyez, mettons. S'il ne mange pas, il ne va pas boucher dans le temps. Donc Jermessi, il dit tellement la chose. Et il y a des moments où j'ai remarqué que tu as l'argent, tu vas à la banque. Bon, prenons aujourd'hui même. Vous allez à la banque pour toucher, on vous dit qu'il n'y a pas la connexion. Donc, à quoi tu es? Il m'a dit à l'autre, il m'a connu que tu parles. J'ai messié, ouais, mettons. Et là, toi, si vous voulez, bah, rien. À quand on a 2 millions, il m'a dit, il est là pour détourner. Il m'a dit, si vous voulez. Il m'a dit, si vous voulez, filmez-moi ça. J'ai messié, ouais, mettons. Voilà, j'ai messié. Ah, on a vu des sculptures, non. Les tableaux, ils sont non. Regardez. Vous allez revenir. Eh. Oui.
Ça, congophonie. Oui, le grand jumelé. C'est ça. Le grand jumelé, pour moi, c'est le métronome de la musique béninoise. C'est lui qui démarre, qui donne le rythme. Et les autres s'harmonisent dessus. Maintenant, congophonie, c'est pour jouer le gong, il faut avoir une main pour tenir et l'autre pour taper. La main qui tient, elle est en bas. La main qui tape, elle est dessus. Congophonie. Je l'ai sorti dans le cadre de Bida 92. Congophonie. Et c'est des masques, lui, il s'appelle Honorable. Lui, c'est Master. Lui, c'est Bigger. Ici, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens viennent me voir, ils disent que c'est un coût trop cher. Je dis non, c'est pas cher. La voiture, ça coûte 35 millions, 40 millions. C'est produit à des milliards d'exemplaires. Pourtant, vous achetez, ça là ne coûte rien. Donc, c'est unique. Unique, pièce unique. Et vous dites que c'est cher. Aider l'artiste. Bref, donc, quand j'ai fait les Gala 66 en 2013, les gens ont dit, tu coûtes trop cher. Donc, qu'est-ce que je peux produire pour que parfois on dit, bon, et autographe, votre ceinture, bon, je l'ai vu, je l'ai salué. Donc, moi, j'ai fait ça là, sous forme d'autographe. Mais c'est plein de significations. Donc, je les appelle des autographes. Mais, ça parle. Donc, vous regardez, et je dis, c'est des petits prix. Ici, c'est des cataclés. La pièce, c'est 50 000. C'est un ébène, cataclés. Ah, ici, c'est trois âges. Vous voyez, parfois, il faut parfois, la toile vous appelle, il vous invite, et il faut dialoguer. Quand j'ai fait ça là, croyant que ça va se... Non, tout à l'heure, ça va encore relever ses lèvres. Ah, vraiment. Tu es belle. Donc, on dialogue. Ici, c'est trois âges, les trois âges. Les trois âges sont là. L'autre âge que nous avons là, elle est dans la tangue. Il est dans la tangue. En Afrique, là, la sagesse est dans la tangue. L'autre, c'est la grand-mère qui raconte des histoires à sa fille, à ses mémés, petits-enfants. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la grand-mère. Ici, ce sont ses fils, petits-enfants qui écoutent. Troisième, trois âges. Pourquoi la grand-mère est mieux habillée que la fille? Non, la grand-mère n'est pas mieux habillée. Vous regardez ce tissu. Vous voyez pas? On est dans du bogolan traditionnel. Et ici, on est dans du bogolan industriel. Vous voyez, mes tissus ne sont pas aussi choisis au hasard. Mais la grand-mère, hier, ce ne sont pas les jeunes qui portaient ce genre de collier, c'est les vieilles. Parce qu'il faut avoir une certaine richesse pour les avoir dans cette année. Hein? Et c'est après qu'on en produit aujourd'hui de façon industrielle. Donc, elle n'est pas. Donc, elle est dans sa tradition de grand-mère. Et ce qui les relie, voilà, la tradition. Vous voyez son visage, sa tête. Et ce tissu fait, c'est l'oralité. Ah, ici, bon, il y a le professeur, vous voyez, c'est un monsieur, il a été élu chef de l'État, on lui a dit non, tu ne seras pas, et c'est un professeur, c'est un médecin, et il a écrit 5 livres sur le Fa, et les 256 doux, il a pris dedans des propos de sagesse, et il a dit le code de vie du primitif. Il veut montrer que tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui comme morale, que c'est déjà dans le phare. Et quand il prend un, il dit, l'osoguda, faire du tort, c'est-à-dire l'osoguda dit, faire du tort à son prochain expose à la colère de la mort. Si je vous attaque, mais vous allez réagir, mais peut-être que vous allez réagir plus fortement que moi. Bon, donc, faire du tort. Donc, moi, je prépare une exposition sur les 256. Mais comme j'ai déjà quelques-uns, j'en mets dedans. C'est-à-dire, acheter le code de vie du primitif du professeur Adjoumouni. Lisez.
c'est 5 taux, c'est 4 taux, c'est à 5 000. Lisez. Moi, j'en ai fait mon livre de chevet. C'est plein de richesses. Ministère des Finances. Je l'ai appelé Flamme Émergence. C'est-à-dire qu'avec le régime du docteur Boniaï, émergence. Et j'ai tellement entendu ça, j'ai dit, mais était de regarder ça. Comment moi je peux traduire ça? Alors, voici la flamme. Et voici l'être humain. Cette flamme ne peut être tenue que par l'être humain. Si l'être humain, tient cette flamme, qu'est-ce que ça doit produire pour qu'on ait l'émergence? Pour avoir l'émergence, tant que nous n'allons pas nous attacher à nos ressources naturelles, à notre culture, il n'y aura pas émergence. Et aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, au moins, tout le monde reconnaît que ces genres de tissus viennent du Burkina, du Bénin, du Mali, du Ghana. Donc, la flamme émergente, c'est quoi? C'est l'être humain, c'est la femme et l'homme. Au milieu ici, le développement, c'est à quoi? Le colis. Et voilà des mains qui travaillent pour produire la flamme émergente. Et quand c'est à quoi? C'est le fond. Et non, donc, à quoi? Au jet, au gant. À ta fort. À tout jet dédié. À tout le monde. Le fond, mais rien qu'on a. À quoi? Au jet, au gant. Et dit. À quoi? Au jet. À ce gant même. Gant. Donc, flamme émergence. Et j'avais prévu ça pour. Facebook, il faut aller voir sur l'ordinateur. Donc voilà la souris. Facebook, c'est la nouvelle forme de communication des êtres humains. Et les êtres humains ne peuvent communiquer que à travers leur tête, des visages. Donc vous voyez toutes ces connexions, ces visages, ils sont Facebook. Je vous remercie. Fidèle, mais qui est-ce? Devenez. Mais tu es allé voir. C'est dans quel sens qu'on regarde? Hein? C'est dans ce sens qu'on regarde? Dans tous les sens. Ah bon? Bien. Bon, voyez, aujourd'hui, nous avons 52 candidats, 48 candidats, 35 candidats, 12 candidats, un candidat. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous permet ça? C'est la démocratie. Dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il ne peut pas avoir plusieurs candidats à une élection présidentielle. Je crois que nous sommes tous là. Maintenant, la démocratie, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai réfléchi, je cherche. Je dis, c'est un monstre à trois corps avec une tête. S'il vous plaît, mettez un peu de lumière sur la tête. C'est un monstre à trois corps avec une tête. Aujourd'hui, peut-être au finish, après ça, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans le peuple, il y a deux partis. Et c'est ça dans les grandes démocraties. Opposition, mouvance. Et quand vous regardez ces deux hauteurs-là, la plus haute, c'est peut-être elle qui est la mouvance et la plus basse, elle est l'opposition. Donc voilà pour moi la démocratie. Pour moi, c'est ce que signifie la démocratie. Quand j'entends démocratie, il faut aller lire. Voilà. C'est un monstre à trois corps avec une tête. Et comme l'homme du quintuple milliard culturel m'a appuyé, parce que pour qu'il arrive à ce projet, c'est de là-bas. On a tenu toutes les réunions. Moi, j'ai dit, bon, j'ai envie de lui faire plaisir à la République, à la démocratie et au président de la République. Donc, monsieur le ministre, représentant du chef de l'État, c'est sa propriété. Vous partez d'ici avec, sinon demain, je la vends. Donc, voilà, c'est pour le président de la République. Voilà, démocratie. Alors, pourquoi ces petites gouttes-là? Hein? On dit tout simplement. On ne voit jamais à l'intérieur ce qu'on a dans la tête. Et cet outil,
cet objet. Mais mon nom est bien. Vous savez ce qu'il y a dedans, mais vous avez vu tout son corps. Ne pas pouvoir mon nom dire retour humain, moi je l'ai représenté par monsieur le ministre. Vous allez. Ah, oui. Ah, quand vous, si vous venez à mon showroom là-bas, que j'ai d'hôtesse ou pas, elle est là à la porte pour vous accueillir. Il n'y a rien de dedans. Donc, c'est la première assistante. Même si quand tout le monde est absent, elle est toujours. Et monsieur le ministre, j'ai sauté quelque chose de très très vite. Vous voyez, aujourd'hui là, on a des portes bien vitrées, des vitres partout. Moi, presque en 6 mois, j'ai créé des portes sculptées. Et par cet essai. Donc c'est des portes sculptées. Et pour montrer que j'ai mis un exemplaire là-bas. Je vous donne l'exemple. On était allé au Siao. Et le Burkina préparait, je pense, ils construisaient leur village 2000, Ouaga 2000. Et Kanazoo est venu au Siao. J'avais amené pour la première fois. C'était le bureau d'appui de l'artisan qui m'a soutenu et je suis allé. Alors, il a vu les portes. Il dit à son staff, vous me mettez les portes de Kofi Gao et aux ouvertures principales de tous les villages. Ah ! Le staff dit, tout est déjà commandé. Ne dites pas ça, ne répétez plus. Et c'est sa fille qui est sa secrétaire. Et rapidement, on l'a accompagné. C'était le ministre Cassien Oumbéli qui était le ministre de l'artisanat. Il a pris son staff et on a fait le tour. On est allé le chercher. Et pour me consoler, il est venu. Il m'a acheté 3 portes. Voilà. Donc, pour nos bâtiments, c'est des portes. Donc, Arcan, Concoin, tant. Voilà. J'ai 21 créations. Mais pour montrer que ça, c'est de la réalité, le dessin à la réalité, j'ai mis un panneau sculpté là. On peut faire 2 battants. On peut faire 3 battants dissymétriques. On peut faire 2 battants symétriques. C'est très joli. Hein? Merci. Une industrie de ça en place. Ça va battre toutes les portes qui viennent de meubles. Non. Ça là. C'est-à-dire que chez moi, tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à créer l'institut, à apprendre aux enfants à faire ce genre de choses. On a de l'emploi dans l'artisanat. On a de l'emploi dans la culture. La culture est une mine d'or à ciel ouvert. Une mine d'or à ciel ouvert. C'est le plus riche département de tous les départements gouvernementaux. Et qui présente les menus au ministre, et le ministre symboliquement prend ce que veut. C'est la IATTV. On est en train de ne t'en fais pas. Le protocole veille au timing. Copy.